Îlot d'oxygène. Heureusement, j'ai du temps pour souffler avec la garderie où elle peut aller et où l'éducatrice de jeunes enfants et l'auxiliaire sont toutes les deux dans le même type de maternage que moi. Elles sont plus âgées et me confortent dans le chemin que je prends. Cela me fait le plus grand bien. Mes parents aussi sont là. Ma mère est contente de garder les filles de temps en temps. La plus grande a passé de nombreuses journées chez elle avant que je sois en congé parental. J'ai aussi une amie tout près avec qui je partage mes points de vue, pro-allaitement et anti-fessée. Son mari s'amuse à intervertir les termes et nous appelle les maris pro-fessée et anti-allaitement. De nos échanges naît l'idée pour moi de devenir accompagnatrice à la parentalité. Elle est psychanalyste et sait très bien expliquer les développements psychiques du jeune enfant. Nous avons de merveilleuses discussions. Elle apporte la théorie, j'apporte le côté pratique, concret. Nous faisons ensemble une conférence sur le thème de la dépendance chez l'adolescent. Nous mettons aussi sur pied une association dans le but de proposer des conférences et des ateliers à l'attention des jeunes parents. Le statut associatif ne me convient pas, je ne me sens pas bien dedans. Je ne me sens pas légitime pour faire des ateliers, bien que le contenu préparé soit tout à fait valable. Je suis trop atteinte par le doute sur mes capacités, je ne me sens pas capable, je n'ai aucun diplôme dans le domaine, juste beaucoup de livres lus, 6 ans que je suis maman, des heures de discussion sur les listes de naissance, parents conscients, soutien épisiotomie, la Leche League. Et puis j'entends trop dire que je devrais reprendre le boulot, retourner au centre auto, que les fossés, ça n'a jamais tué personne, que si les filles en avaient plus, elles seraient mieux élevées. Bref, dur, dur. C'est un gros dilemme pour moi, entre écouter mon cœur de mère qui me dit que j'ai raison et suivre les conseils de l'entourage, ce n'est pas facile. Grosse crise. Nous sommes en juin 2003. La tension au sein du couple est très forte. J'en ai marre, je n'arrive pas à me faire entendre mon point de vue. J'ai lu des livres sur la relation de couple, je lui en ai parlé, pour lui c'est de la foutaise. J'ai voulu que nous allions voir un thérapeute ensemble, il a refusé. Nous avons vu tout de même, après ce premier refus, le coach avec lequel je travaille sur l'ouverture du cœur, depuis plusieurs mois. Il conclut que c'est à moi de changer. Monsieur à la part belle, c'est ce qu'il voulait entendre. Je bosse autant que je peux pour évoluer. J'ai déjà fait un chemin énorme sur la gestion de ma colère. J'ai aussi commencé la communication non violente pour communiquer autrement avec mes enfants et mon conjoint. Je fais des efforts au quotidien par rapport à la maison, ayant trouvé un super outil avec les techniques de Fly Lady. Je travaille à un projet de développer mon activité d'accompagnatrice à la parentalité pour le faire après mon congé parental. Bref, un peu dur que lui n'ait rien à faire pour que la relation de couple aille mieux. Un enchaînement d'événements amène à poser une demande de divorce auprès d'une avocate. Là-dessus, mon père, inquiet de la situation, m'annonce un secret de famille me concernant. Explosion. Effondrement. En plus du burn-out, là, c'est l'anéantissement total. Je suis complètement perdue, bouleversée. Je suis le dindon de la farce, toute la famille est au courant, sauf moi. Génial. Mes nombreux échanges par Internet avec les groupes de discussion m'ont permis de pouvoir savoir vers quel type de professionnel me tourner. Direction. Psychothérapie. Mon conjoint, ayant pris conscience de l'ampleur et de l'état de la situation, promet de faire lui aussi un travail thérapeutique et de faire des efforts. Nous voilà remis sur les rails, avec résolution de prendre soin de la relation. Je stoppe la procédure de divorce. 1 an de thérapie et évolution de projet. J'ai choisi une psychothérapeute qui travaille en hypnose ericksonienne. Elle est proche des idées diffusées par Isabelle Filioza, écoute des émotions, respect de l'enfant. Il s'avère qu'elle était une collègue d'études de la sophrologue avec laquelle j'ai fait mes préparations à la naissance. Comme quoi, le monde est petit. J'ai un rendez-vous 2 fois par mois. Je dénoue avec elle, point par point, de nombreux blocages. Au fur et à mesure des rendez-vous, je me sens plus détendue et en même temps plus vivante. Je retrouve mon énergie, mon envie de créer, mon envie de pousser les murs intérieurs qui m'empêchent d'être moi-même. Une maman que je vois régulièrement à la garderie me demande si je serais d'accord pour faire une demande d'agrément pour être assistante maternelle.
Elle souhaite me confier ses enfants. Elle doit reprendre le travail. Elle aime beaucoup ma façon de voir les choses et nos enfants s'entendent bien. Ce serait pour elle l'idéal. L'idée me plaît aussi et j'apprécie la confiance qu'elle me fait par sa demande. J'en parle à mon conjoint et il est d'accord. Je mets en route le processus d'agrément. Je reçois mon autorisation d'exercer au moment où je découvre que je suis enceinte. Ce n'était pas prévu. En même temps, nous n'avions plus de mode de contraception régulier. Et vu le peu de relations que nous avions avec mon conjoint, je n'en voyais pas l'utilité. Nous sommes heureux d'accueillir ce bébé surprise. Le projet de garde des deux enfants est annulé. Je retourne donc quelques jours au centre auto pour valider mon poste et reprendre un congé parental. Je constate lors de ce très bref retour à l'entreprise que je n'ai pas envie du tout de reprendre le travail que j'avais avant. Je continue le travail thérapeutique durant la grossesse. Celle-ci est paisible, bien vécue. Je fais aussi la préparation avec la sophrologue, accompagnatrice à la naissance, ainsi que le suivi avec la sage-femme. Évidemment, l'accouchement à la maison est prévu. Je ne me sens plus en état d'épuisement, de burn-out. Je revois ma façon de fonctionner, la relation de couple est meilleure, même si lui, de son côté, n'a pas fait de thérapie. Je me sens équilibrée, heureuse d'avoir un bébé prochainement. Alors même que quelques années auparavant, je voyais le statut d'animatrice LLL comme très haut à atteindre, je fais ma demande de formation. En 6 mois, elle est bouclée, j'anime ma première réunion, enceinte. Mon conjoint a suivi ma formation, relisant certains textes pour corriger les fautes ou les tournures de phrases. Agrandissement ou déménagement? Un bébé qui arrive, c'est une maison qui doit parfois s'agrandir, une voiture à changer, autant de projets qui nécessitent de communiquer, et ça se passe plutôt bien. La naissance arrive, les grandes sœurs, blondes, sont heureuses d'accueillir la petite tête brune, une petite sœur. Cette demoiselle pleure aussi, mais pour demander à dormir dans son couffin. J'ai mis du temps à comprendre. Elle est cool, elle dort bien, elle mange bien, elle a une super coiffure en pétard, une bille de clown. Ça fait du bien un bébé détendu après avoir eu un bébé. Cette demoiselle bébé d'ailleurs devient plus grande avec des besoins toujours aussi intenses et complexes à vivre. J'ai beaucoup de difficultés avec elle. Elle fait beaucoup de colère. Je passe régulièrement jusqu'à 30 minutes avec elle afin qu'elle exprime ses frustrations, qu'elle pleure et finisse par se calmer. Émotionnellement, c'est difficile à supporter, mais je refuse de revenir aux vieilles méthodes de la fessée ou de la douche froide. Je sais qu'au long terme, la violence n'est pas une solution adéquate, même si elle peut paraître plus facile à mettre en place à première vue. Je ne suis toujours pas soutenue par mon conjoint dans ce mode d'éducation, et cela rend la situation encore plus difficile. En ce qui concerne la maison, nous faisons une étude avec un architecte pour agrandir avant finalement de décider de la mettre en vente pour chercher un autre logement.